En parlant de ça. Qui ça? Toi. Ah. Faut que je la raconte. Oh non. C'est un jour, il y a très longtemps, on faisait du piano-bar comme ça pour gagner un peu mieux notre vie. Puis et on va jouer dans un bar à Gno et ça marchait pas trop bien, on n'arrivait pas à faire passer notre ambiance parce que le bar était un peu genre musique indépendante, vous voyez, très rock. Voilà. Et à la fin, je sais pas pourquoi, je crois que c'était après une dizaine de cucaracha, vous savez, les petits cocktails rapides, là. Et non, mélangé. Non, tu racontes pas celle-là. Si. Non, mais il n'y a rien de méchant. Et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je lui dis, tiens, tu connais cette musique? Et puis, elle commence à faire les musiques de dessins animés. C'est une de ses particularités, c'est qu'elle a en mémoire des musiques comme ça, de dessins animés, mais des trucs... qui ont disparu, quoi. Tu te demandes d'où est-ce que ça vient, et des pubs, et des génériques de feuilletons. D'un seul coup, elle commence à faire des mangas, et dans la salle, il y avait des métalleux, mais des méchants, quoi. Et les mecs, à la fin, ils étaient là, en train de chanter Oum le dauphin. À 4h du mat, bip, 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 fuck. Je te jure, elle avait réussi à faire ça. Et ils étaient tous devant le piano, genre... Wouah ! Je déconne pas, j'avais peur. Hein. Je dis, continue, sinon on va se faire bouffer. Ça continue, mais tard, quoi. Ouais, une autre ! Ouais, ouais, ouais. Je te mets tous des faits. Capitaine Flamme, tout. Tout. Allez. Allez, une autre. Allez, on va voir si vous devinez. Allez, attends. On le fait rapide, sinon il est encore là à 6h du matin. Ah oui, non. Allez, on chante ensemble, tout le monde ensemble. Si les métalleux ont levé pour eux. Vous en voulez encore une? Allez, vas-y. Une. Quoi? Décidez d'or. Attends, comment ça fait? C'est aussi ça, Richard. Bon, à finir le concert quand même. Hein. Alors, vous savez quoi? C'est super pour introduire la prochaine chanson. Parce que la prochaine chanson s'appelle Nothing to Lose. Et Nothing ça veut dire il n'y a rien à Toulouse. C'est pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais. Nothing to lose, il n'y a
Et on fait ce genre de choses quand on n'a plus rien à perdre. Quand on a, voilà, nothing to lose, ça veut dire rien à perdre. Et quand on a vécu des choses un peu graves dans sa vie, et malheureusement, de plus en plus de gens vivent ce genre de, les maladies du siècle, vous les connaissez, vous savez, les trucs qui font vraiment mal, qui envoient les gens à l'hôpital et tout ça, enfin, les trucs vraiment glauques, tu vois, les trucs qui te plombent, et les trucs où tu perds des gens, où tu perds ton boulot, enfin, les trucs, tu vois. Ah, tu vas te casser l'ambiance. Tout juste après Esteban, là, tu te... Mais c'est génial parce que, en fait, soit on le prend, soit. Enfin, sauf quand on en meurt, hein. Sauf quand c'est vraiment la fin. Ça peut des fois être génial. Tu vois, tu peux te dire, ouh, génial! C'est génial. Allez, je prends mon courage demain, c'est génial, j'ai plus rien à perdre parce que je peux faire tout ce que je veux. Sans avoir peur du jugement, sans avoir peur. Enfin voilà. En fait, on prend vraiment conscience des valeurs. Et on n'a plus rien. Rien à perdre, donc on va pouvoir chanter bien bien fort.
la la la.